Bonjour à tous, Othmane Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage par élimination de résistance statorique de temps 100. Composant schéma de commande, transformateur 230 à 24 volts, disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NOS2. Bobine KM 24 volts KM1. Contact nœud de KM1 13 à 14. Contact de relais temporisé NO. Contact nœud de KM2 13 à 14. Astérisque composant schéma de puissance. Moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur tri Q2. Contacteur KM1, démarrage avec résistance. Contacteur KM2, démarrage sans résistance. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Le moteur asynchrone triphasé M3. Astérisque fonctionnement. Astérisque une action sur le bouton poussoir S1 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM1. Alimentation du moteur sous la tension de la résistance. Mais sous tension le moteur à travers le résistance triphasée. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête.